Salut! T'as-tu trouvé l'océan? Ouais, un petit lac. Il a l'air quand même pas pire gros ton lac. Ici, c'est la zone canine, nucléaire, qu'on entend en background. C'est vrai? Et faut le beau. Là, on est à Castiglione del Lago. Mon chum m'amène sur des super beaux parcours. Ouais, c'est le fun. Yeah. Il fait super beau en plus, on vient de prendre un café. Yeah. Un beau cappuccino. C'est super beau là. Mais hein, c'est un méchant beau gros lac, ça, là. Ça valait le détour. Qu'on va? Montepulciano. Tu l'as dit avec ton super accent italien. Good job, chat, lâche pas. Qu'est-ce qui arrive quand on descend un bon coup? On monte un bon coup après. Google nous fait passer dans une petite route en gravier, fait que c'est assez reculé. Ça a monté longtemps. Un caillou. T'es bien luisant. Ouais. T'as 2 minutes, ça va être pire. On est rendu. Ça, c'est le chemin de Google. Ouais. Qui disait que c'était plus court. Plus court en distance. Mais avec du caillou et du dénivelé en masse. Étant donné qu'on n'avait pas assez fait de vélo aujourd'hui, on s'en va visiter un vignoble qui est à 7 km de notre Airbnb. Plutôt de notre bed and breakfast. Puis ça, c'est la vue qu'on a. On est à Salchetto, un vignoble biologique. Puis on va faire notre activité près de la journée. Déguster le vin. Fait qu'on commence avec un blanc puis un rosé bio. Avec une super belle. Une autre vue de Montepulciano. Avec un petit chat qui s'en vient. C'est assez beau. Mais hein. On est arrivé à notre hôtel. Méchante côte. Fait que là, on est en train de manger. Puis là, je dis à Marco, ah, il me semble qu'il manque vraiment comme du vin pour aller avec ça parce qu'on a eu une grosse journée à pédaler. Hein, chef? Oui. Ouais. Puis là, on est en train de manger. Ah, Marco a fini. Ouais. Une salade de tomate avec du buffalo, saucisson, du prosciutto, des olives. Puis là, Marco, il disait, ben, si t'achètes du vin, moi, je veux que ça soit ma sorte. Puis sa sorte, c'est ça. Fait que j'espère qu'il va l'aimer parce que c'est quand même une bouteille assez chère. Mais. Mais moi, j'ai goûté et elle est vraiment écœurante. C'est pas ma sorte. Dans le fond, on est à Montalcino et c'est le vin de la place. Ça fait que c'est le fun de goûter aux saveurs locales. Non, mais c'est ta sorte à cause d'écrit Brunello dessus. Ouais.
fais-tu un discount? Ils sont supposés te donner 50%. Jour 8 de notre trip de vélo. On s'en va à Sienne aujourd'hui. Ça va être une journée chaude. Il fait déjà chaud, puis il est à peine 10 heures. Ici, c'est où est-ce qu'on a dormi. Un petit bed and breakfast, super cute. En ville. Méga tranquille. T'aimerais-tu chauffer un char ici? Ta blonde t'a fait monter des côtes aujourd'hui? Ouais. Tu l'aimes-tu pareil? Ouais. Ouais, même si on est en Italie, quand on fait du cyclotourisme, on n'est pas à l'abri de la pluie. Là, ça tombe en temps. Ah, un petit bébé chat qui arrive là. Un Superman. Super chat. Je suis bien mouillée. T'aimes tes lumières? On dirait qu'on s'est rendu? Ouais, on dirait. La vue est toujours aussi belle quand on arrive dans les villes. Puis là, on s'en va passer au bout, là-bas dans la porte. J'ai traîné Marco dans un village médiéval fortifié qui date de 1200, qui s'appelle Monteriggioni. Ouais, c'est le château de Monteriggioni. Ouais, c'est vraiment de toute beauté. On a réussi notre mission numéro 1 de la journée. On a trouvé une bouteille de vino pour ce soir. Il y a un petit classico qui est produit ici alentour du château. Puis on s'est pris deux cappuccinos. Puis là, ça c'est la vie qu'on a en dégustant tout ça. Fait qu'aujourd'hui c'est notre journée de congé. On est à Cessina. Cessina, je joue. Sommelier qui sort du vin. On the beach, avec un vin blanc italien du nord de l'Italie. Un guerouat straminaire. On a commandé une pizza et des pâtes. C'est notre traditionnel. Aujourd'hui, c'est triste, notre dernière journée de vélo. C'est aujourd'hui que je vais quitter mon fabuleux vélo électrique. Ouais. Donc là, on part de Cecina. Puis on s'en va à Pisa. Puis ensuite, on va prendre le train de Pisa à Florence. On vient d'arriver à Florence dans notre Airbnb, plus tôt que prévu. Pas de visite de Sienne aujourd'hui, parce que je me suis plantée en vélo. Mais rien de grave, mais quand même une couple de scratch là.
Fait que c'est ça. Fait qu'on est revenu plus tôt, on a pris le train, puis ça a fini notre trip de vélo un peu carré. Par le dégâts. Rien de grave, juste une coupe de scratch. Marco, il m'a sauvé. Il a tout réparé mon vélo qui était à moitié défaite. Ah, puis j'ai changé les plans aussi pour pas la faire pédaler. Donc, ouais. J'ai trouvé une station de train super proche. Mm. Puis on est parti de là-bas, puis on est arrivé direct à Florence. Parce qu'on est un team. Yes. C'est dur, hein? C'est dur, inversé. On est à Florence. On a redonné nos bikes hier. Yes. Là, on s'en va déjeuner. Puis j'ai vraiment faim. Puis en arrière, on voit le Ponto Vecchio. Ça veut dire le vieux pont. Mais pas le premier, l'autre qui a comme des bâtiments dessus. De Multipinciano. Quelque chose comme ça. C'est pour ça que c'était cher de main. Monticino. C'est ça? Montalcino. On est au Castiglio de je sais plus quoi. Coucou, on commence.